quand il y a eu la pandémie, fausse pandémie aussi, de 2009-2010, H1N1, les Français, ils s'étaient pas vaccinés à plus de 6%. Et à la suite de H1N1, moi j'avais déjà dénoncé la fausse pandémie H1N1 en 2010, j'avais fait des reportages à TF1 qui étaient passés d'ailleurs, et il y avait eu une commission d'enquête, et il y avait la fameuse ministre qui avait vraiment présidé à tout ça, donc Madame Bachelot pour ne pas la nommer. Elle avait été finalement témoignée devant les commissions d'enquête, et les députés lui avaient dit « Mais qu'est-ce que vous regrettez ? En fait, vous regrettez rien, parce que quand même, c'était un fiasco, là. » A dit « Écoutez, j'ai beau réfléchir, mais quand même si, il y a deux choses qu'on regrette. La première, c'est que les Français n'ont pas eu assez peur. » Ah oui, c'est vrai. Premier regret. S'ils avaient eu un peu plus peur, eh ben, ils seraient allés se faire vacciner. Parce qu'évidemment, c'était très bien de se faire vacciner. Ça, c'est la première chose qu'elle regrettait. Et la deuxième chose, elle dit, écoutez, la deuxième chose que je regrette, et qu'on regrette tous, nous, c'est-à-dire nous, les dirigeants, hein, c'est qu'on n'a pas assez verrouillé Internet. Et voilà. Et donc, ils ont tiré la leçon pour la fois suivante. Et là, ça a été verrouillage de l'information à mort, et c'est pas fini, puisque au Sénat, en France, ils sont en train de lancer une loi pour qu'on soit condamné si on ose critiquer un médicament ou un vaccin. Si vous dites quelque chose, eh ben vous aurez 30 000 euros d'amende, hein, faudra les sortir, et après, vous risquez la prison. Et c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que tout part aussi, tout commence par le fait de verrouiller l'information, censurer. Et la censure, c'est ce qu'il y a de pire. Lorsque la liberté de parole disparaît, c'est le totalitarisme.